heureux d'accueillir cette conférence de presse sur le Forum scientifique et citoyen sur la radioprotection de Tchernobyl à Fukushima. À cette table, Paul Rouleau, Alison Katz, Vladimir Tcherkov, et Colin Kobayashi. Avant de vous céder la parole, nous allons passer à notre rituel habituel, qui est de vous faire signer le livre d'or du Club Suisse de la presse et de vous offrir un petit cadeau suisse. Voilà, je vous laisse signer. Sous chaque main, oui. Du Club Suisse de la presse, c'est un petit cadeau traditionnel, je me permets de le dire parce que je suis membre du club et j'en ai une petite collection, c'est très utile. Alors, monsieur Tcherkov, vous laisse. Attends, je vais juste dire deux mots si vous voulez bien. Pas de placard, mais je suis George Gordon Lennox. J'ai aidé le groupe et le fameux WHO. Un peu avec les relations de presse et de la documentation. Je voulais juste présenter en deux mots nos les personnes sur le podium. Paul Rouleau est vraiment le moteur. Devant le micro. Paul Rouleau qui est vraiment le moteur. De la vigie que vous avez certainement vue au carrefour des Morirons devant l'Organisation mondiale de la santé, qui est là depuis 5 ans. Alison Katz, qui est membre du People's Health Movement et qui est aussi une militante de Independent WHO. Colin Kobayashi est correspondant à Paris de Days Japan. Le nom de son agence de presse indique, il est japonais. Nous a beaucoup aidé avec la venue à Genève pour le forum de plusieurs participants japonais qui sont ici dans la salle et il va les présenter tout à l'heure. Et finalement, Vladimir Tcherkov, qui est aussi journaliste, documentariste, qui a fait des films sur les suites de la catastrophe de Tchernobyl, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le crime de Tchernobyl », qui a en quelque sorte inspiré, je crois, les collègues comme Paul Rouleau pour lancer cette action qui dure maintenant, donc depuis 5 ans. Et je vais laisser la parole à Paul, qui va dire de quoi il s'agit. Bonjour. Bonjour, alors je vais vous lire un texte que j'ai écrit en commun, disons, avec mes compagnes et compagnons de lutte à Independentou. C'est le texte que je vais lire demain en ouverture du forum, et il semblait que c'était ce qu'il y avait de mieux adapté pour exposer notre action et ce qu'on va faire aux journalistes aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est parce que de par le monde, des femmes, des hommes, des enfants souffrent des conséquences de l'irradiation, qu'elles soient dues aux retombées des essais nucléaires, à l'explosion des réacteurs de Tchernobyl et Fukushima et d'autres accidents nucléaires, également à l'utilisation des armes à uranium appauvri, ou encore aux rejets radioactifs, liquides et gazeux, dits normaux de la filière nucléaire. Et si nous sommes ici à Genève
où l'OMS a son siège, c'est parce que cette institution internationale, au mépris de sa constitution, ajoute au drame des victimes la négation de leurs souffrances. La mise en lumière de ces souffrances est faite par de nombreuses et importantes recherches que l'OMS ignore au mépris renouvelé de toute rigueur scientifique. Cette attitude scandaleuse a été ponctuellement dénoncée depuis de nombreuses années. Puis en 2006, quelques personnes éparpillées en Europe ont voulu qu'à tant de souffrances permanentes, niées de manière aussi insistante et insupportable par l'Organisation mondiale de la santé, il ne se passe plus un jour sans qu'une femme, un homme, dénonce cette négation aux conséquences criminelles. De longs mois de préparation s'écoulèrent et le 26 avril 2007 fut le premier jour de ce qu'on a nommé la vigie d'Hippocrate. La catastrophe sanitaire de Tchernobyl entrait alors dans sa 22e année. Depuis cette date, plus de 300 personnes se sont relayées devant le siège de l'OMS pour que son crime ne connaisse plus un seul jour d'indifférence. Le collectif Indépendant Tout se charge de maintenir cette manifestation silencieuse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle. 5 années de dénonciation permanente sans que cela fasse changer le comportement de l'OMS. Nous savions le premier jour que le combat serait long, très long. Il met en cause un lobby mondial extrêmement puissant. 5 années de manifestations qui ont quand même permis de commencer à faire apparaître dans le paysage public cette dépendance de l'OMS vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dépendance matérialisée par l'accord WHA-1240, signé entre les deux agences le 28 mai 59. C'est toujours d'une voix unanime et enthousiaste que notre action de vigie d'Hippocrate est reconduite au cours de nos assemblées générales annuelles. Pour autant, nous n'oserions pas dire que nous sommes à l'abri du découragement, de l'épuisement, et ce en raison notamment qu'aujourd'hui, nous ne bénéficions pas encore de véritables soutiens politiques. Et pourtant, c'est parce que nous croyons encore à la politique que nous interpellons l'OMS sur son action en matière de radioprotection. Il est vite fait de la résumer, elle n'existe pas. Ce constat a en partie motivé l'organisation de ce forum. Au nom du collectif Indépendant Tout, je remercie toutes les personnes qui vont intervenir aujourd'hui et demain, et particulièrement celles qui ont fait un très long voyage depuis le Japon, depuis la Russie, l'Ukraine, le Bélarus. Nous avons fortement espéré votre participation pour entendre vos exposés, vos témoignages, pour en garder la mémoire par des écrits et des films que nous nous efforcerons de diffuser le plus largement. Nous avons aussi fortement espéré votre participation à ce forum afin qu'il soit l'occasion de faire se rencontrer scientifiques, citoyens, journalistes et politiques dans le but de motiver de futures actions qui feront avancer la radioprotection citoyenne et qui feront avancer le combat pour l'indépendance de l'OMS. Car s'il est besoin de le préciser, nous tenons à cette institution publique dont nous partageons les objectifs inscrits dans sa constitution. Nous sommes déterminés, avec le concours des élus politiques notamment, à faire revenir l'OMS dans sa mission première, la protection des populations, qui ne peut aller de pair qu'avec l'abandon de la mission qu'elle remplit aujourd'hui, la protection des intérêts de l'industrie nucléaire par le label santé qu'elle lui décerne, au détriment de la santé des populations. Les jours prochains, sous les fenêtres de l'OMS, nous serons, par ce temps vécu ensemble, les témoins plus intenses de celles et ceux qui souffrent au Japon, de celles et ceux qui souffrent dans les régions touchées par Tchernobyl, et plus intensément les témoins de tous les irradiés dans le monde. Au nom du collectif Indépendant Tout, je vous remercie à nouveau pour votre présence ici aujourd'hui. Paul
nous a parlé d'un crime. J'ajouterai qu'il s'agit d'un crime prémédité, et prémédité depuis 60 ans, en réalité depuis Hiroshima et Nagasaki. La volonté de dissimuler toutes les conséquences sanitaires de Tchernobyl et de toute activité nucléaire, civile ou militaire en est la preuve. Cette dissimulation, a cover-up, et les mensonges qui l'accompagnent impliquent les États et les institutions internationales, dont en premier lieu l'Organisation mondiale de la santé, qui joue un rôle clé en fournissant un label santé, comme Paul l'a dit, à toute activité nucléaire. En ce qui concerne Fukushima, la dissimulation a commencé. Dans les jours qui ont suivi la catastrophe, quand l'OMS a déclaré pendant au moins 6 semaines qu'il n'y a aucun impact en termes de santé publique. Pourquoi l'OMS donne ce label santé au nucléaire? L'OMS a signé le 28 mai 1959 un accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet accord, dans les faits et dans la pratique, subordonne l'OMS à l'IAE. C'est la source principale de la désinformation sur les conséquences sanitaires de Tchernobyl et de Fukushima. Rappelons que l'IAE n'a aucun mandat ni compétence en matière de santé publique. Son objet principal est la promotion de l'utilisation pacifique de l'atome. On peut donc considérer que l'IAE est l'outil que le lobby industriel du nucléaire a imposé à la communauté internationale pour promouvoir et accroître les activités nucléaires dans le monde. En dépossédant l'OMS de ses prérogatives constitutionnelles en matière de santé associées au nucléaire, l'accord de 1959 crée en plus un vide juridique international dans ce domaine, étant donné que l'IAE n'a aucune compétence en matière de santé publique, et ce vide a été décidé pour laisser le champ libre aux activités de l'industrie nucléaire. Revenons rapidement sur les fonctions de l'OMS. Par sa constitution, elle est l'autorité sanitaire internationale dans tous les domaines de santé, y compris ce qui concerne les rayonnements ionisants. Parmi ses fonctions, elle définit les politiques sanitaires, elle établit les normes et les standards, elle coordonne la recherche, elle fournit les conseils aux États membres, elle informe le public, etc. Or, depuis 1959, l'OMS ne remplit plus ce mandat constitutionnel en matière de rayonnement et santé. Et aucune institution crédible ne l'a remplacé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les peuples du monde ne disposent pas d'une autorité sanitaire internationale dans ce domaine critique de santé publique. Aujourd'hui, pire, aujourd'hui, l'OMS n'a aucune compétence en matière de rayonnement et santé, à part une ou deux personnes peu expérimentées avec une qualification limitée en sciences de rayonnement. Son département rayonnement et santé a disparu il y a 2-3 ans, ce qui nous a été confirmé par sa directrice générale, Dr. Chan, lors de notre rencontre en mai 2011. Et puis, il n'y a aucun projet de rétablir ce département. Une de ses collaboratrices, Dr. Nera, qui est la directrice du département santé publique et environnement, a expliqué dans le journal Le Monde, le 18 mars 2011, que toute information sur les rayonnements et la santé dont dispose l'OMS vient de l'IAE, justement. Quel est le résultat de cette subordination de l'autorité sanitaire internationale à l'establishment nucléaire? Le résultat majeur, c'est que les connaissances en matière de rayonnement et santé sont subordonnées au paradigme du dogme du nucléaire, et relève ainsi d'un pseudo-science. Et alors, les normes de radioprotection protègent plus l'industrie nucléaire que les populations. Et la mortalité et la morbidité qui sévissent dans les régions contaminées sont cachées
ignoré, nié. Et au final, le bilan de l'OMS sur la mortalité due au Tchernobyl devient une provocation intolérable. Une cinquantaine de morts depuis 1986 et peut-être 4000 morts en tout et pour tout. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a personne au monde qui croit ces chiffres. Et pourtant, on a besoin d'une autorité. Et voilà pourquoi le Forum scientifique et citoyen sur la radioprotection a été organisé. Les citoyens, avec l'aide des scientifiques indépendants, doivent prendre les choses en main pour suppléer aux carences de la communauté internationale. Évidemment, nous exigeons toujours que l'OMS recouvre son indépendance et remplisse son mandat constitutionnel. Je rappelle que ce forum que nous organisons demain aurait dû être organisé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est son rôle. Mais nous ne pouvons pas attendre qu'elle le fasse pour que nous en agissions. Nous avons besoin impérativement aujourd'hui d'une science indépendante et sérieuse sur les vraies conséquences sanitaires des accidents, des incidents, de l'utilisation massive de l'uranium appauvri et de toutes les activités nucléaires. C'est uniquement sur cette base que des normes peuvent être établies et que des mesures de radioprotection peuvent être développées et mises en œuvre. Nous sommes évidemment conscients que la planète est copieusement et durablement contaminée de radionucléides et que la vie sur Terre va en souffrir des dizaines de milliers d'années. Donc, quand nous, on utilise le terme radioprotection, c'est dans le sens de protéger au mieux et d'arrêter dès maintenant de créer toute pollution radioactive supplémentaire. Je termine avec une citation du texte qui s'appelle Abyss, d'un auteur inconnu. C'était écrit juste après Tchernobyl. Et il a dit, ou elle a dit, on ne sait pas, jamais dans le passé, une classe dirigeante n'a été en mesure d'orchestrer de tels moyens au service d'un si total mépris de la vie. Avec ce forum scientifique et citoyen, nous refusons ce mépris de la vie. Nous faisons face au lobby le plus puissant du monde pour déclarer que la vie est sacrée. Nous allons maintenant introduire nos intervenants venus du Japon, Belarus, Ukraine, Russie, Belgique, Angleterre, France et Suisse. Et je commence avec le Dr Christopher Busby qui se trouve ici. Chris Busby est chimiste, physicien. Il est secrétaire du CERI, qui est le Comité européen des risques de radiation. Il est expert dans les conséquences sanitaires des faibles doses internes, de l'uranium appauvri, des rejets des centres de retraitement et des centrales et des essais nucléaires. Il a servi comme conseiller, expert, témoin expert dans beaucoup de procès. Il a servi sur des comités d'experts du gouvernement britannique et autres gouvernements sur les faibles doses. Son groupe produit des rapports, je vais dire, alternatifs aux rapports du CIPR. En fait, j'ai une copie là que je voudrais tous vous montrer. Devant l'abdication des autorités sanitaires britanniques, il a mené des études épidémiologiques citoyennes pour établir les corrélations entre les rejets des centrales et des centres de retraitement et le cancer. Et ce sera le sujet de sa présentation au Forum samedi. Il a été au centre des efforts britanniques d'exposer la dissimulation de Tchernobyl. Plus récemment, il a été appelé par des associations japonaises pour tenter d'établir une évaluation sérieuse de la catastrophe de Fukushima. Je vous remercie. Moi, j'ai la tâche de vous présenter les scientifiques russophones de Biélorussie, de Russie, d'Ukraine, de vous présenter également dans mon groupe Michel Fernet qui vient d'arriver, et également peut-être si elle arrive.
Michel Rivasi, député européen. Je commencerai par Yuri Bandajewski et Galina Bandajewska qui sont derrière, je crois. Oui, ils sont juste dehors. Il faudrait qu'ils arrivent ici. On a ici réellement un concentré de la science réelle face à la pseudo-science que l'on vient de vous décrire, Paul et Alison. C'est-à-dire, Yuri Bandajewski, c'est la menace principale pour le lobby nucléaire, pour avoir découvert avec sa femme, Galina, la corrélation, c'est-à-dire une connaissance en réalité toute simple, même si elle a demandé des recherches scientifiques rigoureuses par trois pistes qu'il a développées, à savoir clinique avec la collaboration de sa femme, sur animaux de laboratoire et sur les organes à l'autopsie des personnes décédées après s'être nourries de césium-137, il a simplement démontré la corrélation entre le césium ingéré ou inspiré, fixé dans l'organisme à faible dose, comme on les appelle, et la destruction de tous les organes vitaux au-dessus d'un certain niveau de contamination incorporé dans l'organisme. Il a payé très cher cette découverte parce qu'il n'a pas froid aux yeux. Il a déclaré, il a rendu public ses découvertes. Il a été emprisonné à cause de ça. C'était le plus jeune médecin, docteur en médecine de l'URSS, au point que quand il a à plusieurs reprises demandé de pouvoir fonder, de pouvoir faire des recherches dans les territoires contaminés, on l'a refusé à plusieurs reprises, disant que le ministère s'en occupait, le ministère de la Santé. Et à la fin, vu que tout le monde a quitté, les médecins, la plupart des médecins avaient quitté les territoires les plus contaminés, il y avait un problème de carrément avoir une présence, ça c'est un problème de l'État, une présence dans ces territoires d'un corps médical. Et alors ils ont accepté de lui donner sur papier la possibilité de créer un institut pour former ces médecins. Au moment de chercher d'abord quelques autres candidats à le faire, ils se sont dit il y a une erreur. Il y avait au moins 15 ou 20 ans de différence d'âge entre ce tout jeune scientifique et les potentiels candidats de l'URSS pour occuper, pour avoir cette tâche. Et à la fin, il a eu cette possibilité de créer l'Institut de médecine d'État à Gormel, dans l'épicentre de la zone contaminée. Et parallèlement à la formation des médecins, il a réussi en 9 ans de travail, un travailleur qui travaillait de l'aube jusqu'à la nuit, a créé 1000 médecins dans un territoire qui a été abandonné par ce territoire. Et parallèlement, avec le soutien, l'aide de collègues de ces territoires, à faire ces recherches qui n'étaient pas financées. C'est avec des instruments et des moyens à sa disposition, fournis également avec le soutien et l'aide d'autres collègues qui étaient là, qui sont restés dans ces territoires, il a fait ses recherches avec Galina Bandajewska, qui, en arrivant à Gormel, a été choquée par la grande quantité de pathologies cardiaques des enfants que l'on trouve en général chez les adultes. Et Tchernobyl, c'était une première absolue dans l'histoire du monde et de la science. Ils ne savaient rien, ni Bandajewski, ni Bandajewska. Ils se sont posé la question, que faire? Et il a proposé à sa femme, étudiant les enfants dans les crèches, dans les jardins d'enfants,
et qui, par ailleurs, sont en bonne santé du point de vue cardiaque. C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas des maladies d'enfants, etc., sains du point de vue sanitaire normal, mais étudions-les du point de vue cardiaque. Et ils ont, il a confronté à un certain moment avec des mesures sur spectromètre pour rayonnement humain de l'incorporation dans l'organisme de ces enfants. Il y avait des fiches. Combien de becquerels par kilo du poids du corps ces enfants avaient accumulé dans ces territoires, se nourrissant dans les aliments contaminés. Et Galina Bandajewska, sur les mêmes enfants, avait ces fiches de cliniciennes, de pédiatres cardiologues. À un certain moment, il s'est dit, que faire avec ces éléments? Il s'est mis à faire un jeu de patience. Il a transcrit sur les fiches cliniques de ses enfants les doses accumulées, faibles doses, d'éléments radioactifs du césium, mesurés par le spectromètre. Il les a divisés en trois groupes pour constater que parmi ceux qui étaient très chargés, il y avait une complication cardiologique, cardiaque grave. Ceux qui étaient moyennement contaminés, c'était moins grave. Et ceux qui étaient très peu contaminés étaient pratiquement en bonne santé du point de vue cardiaque. C'est-à-dire qu'il a trouvé un rapport, une corrélation linéaire quantitative entre la quantité de becquerels incorporés et les pathologies cardiaques. Ça a ouvert la piste d'une hypothèse et de recherche dans tous les domaines. Il avait, au bout de 9 ans de cet institut, 25 chaires qui étudiaient tous les organes, le cerveau, le cœur, le foie, les reins, etc. Ce n'était qu'un début qui a été interrompu par l'arrestation. On a monté un faux procès, et on a carrément interrompu une carrière scientifique qui démontrait que s'il y avait pathologie dans ces territoires, ce n'était pas la radiophobie, ce n'était pas l'alcoolisme des parents, parce que les thèses officielles dans les conférences internationales sous l'égide de l'OMS et de l'AIA parlent de radiophobie, de stress, de choc, à cause de familial, à cause des nécessités d'émigrer, de l'économie pauvre, etc. Alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les territoires du Bélarus, la situation pour le stress et l'économie pauvre était bien supérieure et il n'y avait jamais eu des maladies du genre que découvraient ces scientifiques. Bref, il fallait interrompre cette piste de connaissance. Et il a été empoisonné, les recherches ont été bloquées, nous trouvons dans la situation décrite par les collègues. Voilà la menace majeure pour le lobby nucléaire est représentée par ces deux personnes qui ont collaboré à partir d'un certain moment. Ils ne se connaissaient pas avec l'académicien Vassili Nesterenko, qui de son côté, de très haut niveau, a réagi immédiatement après la catastrophe, en demandant l'évacuation dans un rayon, au bout d'un certain temps, dans un rayon de 100 km des populations autour de Tchernobyl. Il est entré en conflit avec le Kremlin, clairement. Mais étant académicien et étant intègre, considérant que c'est grâce au peuple de l'Union soviétique qu'il a pu faire une brillantissime carrière scientifique simplement parce qu'il était très doué en mathématiques, parce qu'il y avait la guerre froide, et que l'Union soviétique savait capter les talents dans le cadre de cette guerre froide. C'était l'inventeur et le constructeur du mini-réacteur transportable par hélicoptère rapidement pour contrer les fusées intercontinentales américaines qui étaient sur des sous-marins et qui donc moins facilement ciblables que ceux qui étaient placés dans les silos de l'Union soviétique. Ce mini-réacteur était prêt
pratiquement pour les premiers tests à éclater de Tchernobyl. Il a interrompu sans avoir aucune autorisation de ses supérieurs. Il était par rapport au Kremlin au moins deux fois par mois. Il a interrompu tout ce travail et il a lancé tout son personnel de l'institut qu'il a créé près de Minsk dans les territoires contaminés pour dresser les cartes de la contamination. Et au bout de quelques années, c'est ça que présentera Alexei Nesterenko et Vladimir Babenko présenteront le travail de Belgrade qui, en plusieurs années, pour eux aussi, Tchernobyl, c'était pour l'académicien Vassili Nesterenko, c'était une première absolue. Il ne connaissait rien des conséquences potentielles ou réelles d'une catastrophe de ce genre. Elle était couverte par le mythe et le dogme de Hiroshima, c'est-à-dire que c'est seulement les très hautes doses du flash de la bombe qui justifiaient la possibilité de faire une corrélation avec des cancers, suivant la distance des survivants japonais par rapport à l'épicentre. Et donc, ici, il n'y avait pas de flash de la bombe, il y avait des doses très faibles. Quand on se promène dans les bois et dans les champs du Bélarus avec un Geiger, c'est très faible. Ça n'a aucun rapport avec les doses immenses du flash de la bombe d'Hiroshima. Donc, a priori, pour les officiels, il est impossible qu'il y ait un rapport de cause à effet entre les doses aussi faibles et la radioactivité et les pathologies. C'est ce que Bondarevski a renversé comme vérité. Et c'est ce que, de son côté, ce qui manquait à Vassili Nesterenko pour savoir, lui, il était compétent en radioprotection. Il a élaboré au cours des ans un système de mesure des produits alimentaires. Il a créé 370 centres locaux de contrôle radiologique des aliments dans 370 villages. À l'époque, c'était l'interrègne, disons, entre l'Union soviétique qui se défaisait avec la perestroïka et un espoir de démocratisation qui a été ensuite interrompu par l'arrivée au pouvoir de Loukachenko. Au cours de ces ans, il avait, de ses premières années, le soutien même du gouvernement pour créer ces centres qui ensuite ont été éliminés. Et il a élaboré une méthode de mesure des contaminations dans les organismes des enfants. Et il a découvert ce que l'Ukraine produisait, c'était la première qui a diffusé à l'époque, l'action d'un chélateur, d'un adsorbant, la pectine de pomme, mais elle peut être pectine de toute autre plante. L'Union soviétique, déjà avant Tchernobyl, c'était déjà au début des années 60, faisait des recherches sur l'action de la pectine, sur la capacité de la pectine d'absorber et d'éliminer les métaux lourds et les éléments radioactifs. Prône maintenant l'utilisation de la zostérine, c'est une plante marine qui contient également beaucoup de pectine. Il a été démontré que la pectine élimine, c'est-à-dire la molécule de la pectine se combine avec la molécule des métaux lourds et des éléments radioactifs. Elle n'est pas assimilable par l'organisme, elle est évacuée et elle entraîne avec elle, ce qui abaisse le taux de contamination, les éléments radioactifs ou les métaux lourds. Donc, au bout de plusieurs années, ignorant au départ toutes les conséquences de Tchernobyl, l'Institut Belgrade indépendant que Nesterenko avait créé, et dont Alexei Nesterenko, ici présent, est le fils et l'actuel directeur de cet institut, créé cette méthode pour abaisser ou tenir bas, suivant les moyens financiers qu'on peut lui fournir, ils sont très faibles, pour les enfants les plus contaminés. Ce sera expliqué par Alexei Nesterenko et par Vladimir Babenko,
qui lui a publié un manuel de radioprotection au niveau pratiquement des familles. Il a transmis, il a décrit la méthode élaborée par Belral pour pouvoir s'auto-défendre dans la mesure où on a les instruments et les compétences nécessaires pour tenir bas le niveau de contamination chez les enfants. Ils vont nous présenter ce travail en présentant notamment l'atlas de la contamination. Ils ont dressé un atlas des territoires les plus contaminés du Bélarus, qui donne territorialement et village par village la contamination, non pas des sols, mais des organismes des enfants. Combien de becquerels dans tel village et à quel niveau de contamination proportionnellement se trouvent les enfants habitant dans tel ou tel territoire. C'est un document unique au monde, une base de recherche qui peut être développée sur cette base. 300 000, si je me souviens, mesures ont été effectuées, vous en parlerai. Donc, ensuite, Alexei Yabokov, qui a dressé un monument à travers la mise dans une seule publication de milliers de titres publiés en langue russe et donc totalement facilement ignorés par la communauté scientifique officielle internationale parce qu'on ne les traduit pas, qui sont le résultat de la recherche sur le terrain des médecins, des scientifiques, des physiciens, des épidémiologistes. Voilà, ce livre qui a été publié d'abord en Russie, à Saint-Pétersbourg, en 2007, si je me souviens, a été amplifié et publié par l'Académie des sciences de New York, en langue anglaise. C'est ce livre. Et ensuite, encore plus étendu, avec des ajouts de données, en ce moment, il est aussi en langue russe publié en Ukraine. Voilà, il tient le livre actuel, c'est le tout dernier en russe, encore plus complet par rapport à celui de l'américain. C'est-à-dire, c'est une preuve. Une preuve du mensonge dont nous a parlé Allison et Paul de la science et de la médecine officielle. Preuve que, c'est-à-dire, une des données, par exemple, que nous avons utilisées dans notre vigile Hippocrate devant l'OMS, c'est l'abîme qui sépare deux chiffres. Les 50 morts en tout et pour tout créés par Tchernobyl, c'est la vérité de la science officielle mondiale. Et par contre, une extrapolation prudente à partir des documents réunis dans le livre de Yabokov, on parle d'environ 1 million de morts causées par Tchernobyl, qui s'est diffusé pas seulement dans les territoires de l'ex-Union soviétique, mais 57%, je crois, en dehors des frontières de l'ex-Union soviétique dans le monde. C'est-à-dire qu'il suffit, comme a démontré Bondarevsky, de faibles doses qui ont été saupoudrées sur la planète, sur l'hémisphère nord de la planète, pour susciter des leucémies. Enfin, comme Bondarevsky a montré, c'est tous les organes à faible dose incorporés, c'est tous les organes qui sont attaqués par ce césium, qui détruit singulièrement chaque organe et qui se trahissent les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a une désintégration progressive de l'organisme dans son ensemble. Les reins, le foie, les yeux, le cerveau interagissent de façon négative alors qu'ils sont créés par la nature pour interagir de façon synergique pour la vie. Michel Fernet, professeur émérite de la faculté de médecine de Paris et ancien consultant de l'OMS, nous parlera le temps perdu après Fukushima.
c'est le thème de son exposé qu'il présentera ici, qu'il présentera probablement amplifié ou différent à Hiroshima, Fukushima et dans les villes, deux ou trois villes d'un périple qu'il fera juste après ce forum au Japon, organisé par le collègue Colin Kobayashi. Ça, c'est l'autre, comment dire, adversaire grave, dangereux, au point de vue médical. Là, il y a une subordination des académies de médecine dans l'occultation et dans le déni des conséquences graves qui sont en train de s'accroître et se compliquer et qui, la menace, ce dont parlera Michel Fernet, la menace la plus grave pour l'humanité entière, c'est l'agression au génome. L'instabilité du génome a été démontrée à part des recherches faites par par Rosa Goncharova, que l'association qui a été créée en 2001 par Solange et Michel Fernet d'aide, de soutien aux enfants de Tchernobyl en soutenant les travaux de Belrad, Rosa Goncharova a montré sur 22 générations de rongeurs, des campagnards des champs, que la transmission de l'instabilité du génome s'aggrave et se complique d'une génération à l'autre, indépendant du sol. Une fois l'impulsion donnée, c'est héréditairement par le premier géniteur que c'est transmis en s'aggravant et en se compliquant à travers les générations. Cela menace la descendance de la vie sur Terre, le règne animal et les humains. Tout cela est occulté et tout cela sera présenté par Michel Fernet ici au Forum et au Japon. Michel Révasi, je ne crois pas qu'elle soit là. Elle sera au Forum, députée européenne, cofondatrice de la CRIRAL, qui s'est investie au Japon sans perdre de temps dès après Fukushima, et qui depuis je suis en train de terminer. On m'a dit que je pouvais donner un peu d'éléments. Je passe la parole à Colin Kobayashi, qui vous présentera les collègues japonais, qui est le grand organisateur de leur présence et du voyage de Michel Fernet. Bonjour. Donc, avant de présenter, tous nos compatriotes japonais, et je voudrais juste quelques mots concernant la situation actuelle de Fukushima, l'accident de Fukushima Daiichi, et puis la situation aussi des mouvements anti-nucléaires. Donc, comme vous savez très bien que depuis 11 mars 2011, après avoir eu tant de mensonges et de falsifications et de minimisations sur la réalité de l'accident, depuis le 16 décembre 2011, quand M. Noda, le Premier ministre, le Japonais a déclaré que tous les réacteurs de Fukushima Daiichi sont en arrêt à froid. Mais c'est tellement évident que c'est une manipulation médiatique pour complètement effacer, pour normaliser toutes les conséquences qu'on a eues jusqu'à présent. Et donc, depuis, ça ne s'arrête pas à tous les mensonges officiaux, y compris avec Aiwa qui est sur place à Fukushima. Mais enfin, ils continuent à faire ce genre de mensonges.
régulier. Alors, évidemment, face à cette situation, la grande majorité de la population japonaise, ils ont perdu la confiance sur le gouvernement actuel. Et la répétition des mensonges faits par d'autres responsables des autorités japonaises, soit M. Madarame, le président de la commission de sûreté nucléaire, qui disait qu'il fallait absolument faire deux stress tests avant qu'on démarre des centrales nucléaires. Mais enfin, ça a été toujours manipulé, beaucoup de choses, beaucoup de pression qui vient de la part de hiérarchie supérieure, et puis ils changent en permanence leur discours. Donc il n'y a plus de cohérence de la position gouvernementale, et puis il y a toujours des contradictions énormes par toutes les déclarations qui viennent de ces autorités. Alors, actuellement, il y a deux commissions d'enquête nommé par le gouvernement et par le Parlement. Ils ne sont pas terminés, mais le gouvernement essaye de faire redémarrer des centrales nucléaires. Alors, les travaux d'amélioration et des modifications à faire, et puis la remise aux nouvelles normes après l'accident de Fukushima, ils ne sont pas prévus tout de suite. Ce sera terminé d'ici dans 2 ou 3 ans. Malgré tout, le lobby nucléaire, la compagnie d'électricité, il essaye de faire démarrer. Mais comme il y a tellement de contradictions et la confusion, donc finalement, le 5 mai, tous les réacteurs de 54 réacteurs au Japon, ils sont en arrêt. Et on n'a pas besoin de bougies. Et la vie sociale, ça fonctionne à peu près correctement, sans diminuer de quantité importante de la production d'électricité. Donc, la société, face à cette situation, la société civile se mobilise, notamment dans deux objectifs. Le premier, c'est stopper le redémarrage de tous les réacteurs et de le pérenniser, cet arrêt maximum, jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais ils essayent de stopper pour que ça s'arrête définitivement. Le second objectif, c'est évidemment de protéger la population contre la contamination radioactive, notamment des enfants et des femmes, à la population générale de la région, surtout Fukushima. Et pour ça, donc, les militants japonais, ils font des grèves de faim depuis que le village de Tente, constitué par les initiatives des femmes de Fukushima, devant le ministère de l'économie et de l'industrie, depuis fin novembre, et puis ça continue. Et beaucoup de gens qui s'associent à cette grève de faim, il y a plus de 80 personnes qui ont participé et à Tokyo et à Kyoto. Et le démarrage de la centrale OI, c'est au nord de Kyoto, au centre du Japon, qui est un peu le centre, l'avenue Champs-Élysées de nucléaire, puisqu'il y a, 17 nucléaires qui se trouvent dans cette région. Et vu qu'il y a 3 grands séismes qui sont prévus, le séisme de Fukushima, c'est pas fini, ça continue. Depuis 11 mars de l'an dernier, il y a plus de 10 000 secousses de séismes qui continuent presque tous les jours. Et côté de Tokyo, devant la centrale de Hamaoka, à peu près 150 km de Tokyo vers le sud. Déjà, il y a un grand séisme qui est prévu. Et puis, côté Shikoku, près d'Osaka, un autre séisme qui est aussi prévu, grande envergure. Et puis, sur Tokyo aussi, il y a un séisme qui est prévu d'ici dans 4 ans, un grand, de magnitude jusqu'à 7-8 de niveau.
Donc, face à ces menaces permanentes, comment on pourrait vraiment trouver une solution équitable pour assurer la santé, la sécurité de la population? Alors, évidemment, dans cette situation-là, la majorité de la population japonaise, ils se dépriment. C'est un peu normal, puisqu'il n'y a pas de solution concrète, scientifique, qui leur propose. Alors, on a l'impression que, comme si on était obligé de monter sur un sellette qui glisse vers l'abîme. Voilà, donc actuellement, beaucoup de Japonais qui sont en dépression, ils ne se parlent pas, ils s'enferment, mais malgré tout, enfin, des certains militants actifs essayent de donc, faire mobiliser des gens tous les vendredis devant la résidence de Premier ministre japonais. Tous les vendredis, on se manifeste avec à peu près 1000 personnes chaque vendredi depuis que le gouvernement voulait faire redémarrer la centrale OI. Donc ça continue. J'espère que ça va continuer encore jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment l'arrêt total de centrale nucléaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire avant de présenter mes compatriotes japonais. Donc je vais commencer à présenter le docteur Eisuke Matsui, qui est donc un des acteurs principaux qui travaille sur la question de faible dose. Il est membre du bureau de la société de recherche sur la question de l'irradiation interne, donc de faible dose, nouvellement fondée l'année dernière, avec tous les protagonistes japonais scientifiques sur cette question-là. Et puis à côté, Madame Miwa Chiwaki, qui est représentante d'un courant de mouvement des femmes de Fukushima. C'est elle qui va dire vraiment les cris de fond de cœur de la population de Fukushima demain pendant la séance. Et puis Monsieur Iwata Wataru et Madame Marumori Aya, tous les deux ils sont vraiment des citoyens, disons, ne sont pas forcément des spécialistes, mais ils sont des volontaires. Madame Aya Marumori est thérapeute, mais elle n'est pas forcément spécialiste sur la question de radioprotection, mais ils étaient partants pour fonder un laboratoire de mesure comme CRIRAD ou LACRO, qui sont constitués au moment de Tchernobyl en France. C'est la même chose. Ils ont été partis et volontaires pour créer leur propre laboratoire de mesure l'an dernier. Et puis CRIRAD, ils ont envoyé une équipe de mesure avec Bruno Charéron et son technicien, et ils ont aidé techniquement, logistiquement, comment il faut s'installer comme laboratoire de mesure. Et puis tous les deux, ils sont allés l'été dernier, pour faire un stage, pour apprendre comment il faut procéder les mesures avec l'ordinateur et puis leurs appareils. Donc, normalement, on devait avoir 5e personne japonaise, scientifique, Shinzo Kimura, qui travaille actuellement avec Imanaka Ketsuji, le professeur de l'université de Kyoto, sur la question des études comparatives entre les dégâts qu'on a eus sur l'Ukraine et Fukushima. Il est un peu débordé, malheureusement, il ne pourra pas venir donc pour le forum de demain. Et j'ajoute un mot juste sur la visite de Michel Fernetz, qui va partir à partir de dimanche, en passant par Hiroshima, Kyoto, Tokyo, Koryama et Fukushima. Il va visiter, il va donner des conférences
avec le film de Vladimir Tchertokov, Controverse nucléaire, qui est très important comme film, si vous n'avez pas encore vu, c'est très important à revoir, voir, même sur ce qui s'est passé dans le congrès de Minsk, Kiev, 2001, c'est ça. Donc, Michel Fernet accompagne ce film en présentant donc, ce côté des discussions entre les scientifiques officiels internationaux et puis les scientifiques indépendants qui ont eu vraiment la conviction, qui ont trouvé des preuves, comme Yuri Bandatsky, Galina, tout ça. Dans ce film, ça démontre très bien comment ça se situe actuellement, qui dure encore cette situation complètement contradictoire. Voilà. Merci beaucoup. Je dois compléter. Je dois compléter la présentation des publications fondamentales qui sont en train de nuire aux intérêts du lobby nucléaire. Le tout dernier sérieux bouquin, c'est celui-ci, qui est malheureusement très mal diffusé, écrit par le collègue Marc Molitor, qui est ici présent. C'est une espèce de radiographie du système mondial et historique de comment c'est mis en place et comment fonctionne en ce moment le lobby mondial nucléaire, un livre de référence réellement. C'est la recherche la plus fouillée que je connaisse et qui, hélas, n'est pas diffusée. Est-ce que c'est l'apathie de la presse, de l'édition, le système du déni qui domine malgré tout notre petite réunion ici, mais qui, je pense, pourra faire date par toutes les publications de ce que nous écouterons demain et par l'existence de ces témoignages de la vérité par rapport au mensonge. Si vous le voulez bien, on va peut-être passer maintenant aux questions. Je dirais, just a word in English, a number of our participants, notably from Japan and also from Belarusie, speak good English. If you want to ask questions in English now or after the press conference in individual interviews, they've been very patient because I know a lot of them don't understand French. But they know the subject very well, so and we can help them with interpretation if necessary. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Une question aux organisateurs.